comme on disait avec Josh, c'est surtout ce premier carton, cette première mi-temps qui coûte le match, qui coûte le match aujourd'hui. Vous avez été battu dans l'intensité, donc physiquement aussi. Rouen a gagné un peu le combat physique. En fait. En première mi-temps, oui. Oui, on rentre dans ce match-là très timoré. J'ai même l'impression qu'on a peur de jouer un petit peu. Donc ça m'agace un petit peu, on va dire, sur cette première mi-temps. Dans le premier carton, on perd 9 ballons. Face à cette équipe comme ça, qui en plus est en appel, il me semble, on leur donne des munitions pour courir. Donc ils ont 12 points sur contre-attaque en premier carton, donc on les installe dans le match. On arrive quand même en second carton, même si on fait encore des erreurs, parce qu'on perd 12 ballons sur la première mi-temps, on en perd déjà moins. On est quoi, à 4 à la mi-temps? Bon, on reste dans le match à moins 4. Après, la deuxième mi-temps, c'est une toute autre facture. On est quand même monté un petit peu en intensité au fur et à mesure pour même, pour un moment donné, prendre le dessus. Après, ça se joue sur peu de choses à la fin. Mais cette première mi-temps, non, on ne peut pas, sur un adversaire qui joue de la sorte, leur donner autant de munitions. Vous êtes gêné par l'intensité, la zone presse, il y a pas mal de pertes de balles aussi. Oui, c'est ça, parce qu'on avait, mais qu'on ne retrouve pas derrière. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, on est capable de faire beaucoup mieux. J'ai l'impression qu'on était timoureux, peur de je sais pas quoi. Donc c'est dommage cette première mi-temps, parce que voilà, on leur donne, comme je te dis, des munitions, parce qu'on se sent démunis, on a peur de trouver des solutions de passe, on a peur de partager le ballon, ce qui était mieux à un moment donné en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était justement le débat s'est rééquilibré. Vous avez aussi, qu'on a vu parvenir au milieu du quatrième carton devant. C'est une belle réaction déjà qui aurait pu être validée par un bon money time derrière. Et je crois qu'il n'y a pas un seul tir, un seul panier rentré sur les 5 dernières minutes. Parce que tu sais, on met 10 points quand même dans les 5 dernières minutes. C'est plutôt des lancers francs, C'est-à-dire que tu les provoques aussi. Ouais. On a eu deux shoots ouverts, un de Tobin à droite, un de Ryan à gauche à 3 points, du 1 contre 0, donc c'est plutôt des bons shoots. Après, tu les mets, pas, ça c'est le basket. Après, la dernière situation de jeu, j'en suis le responsable. Voilà, ils ont essayé de faire ce que je voulais, ça n'a pas marché, voilà, c'est moi le responsable. Mais ça ne se joue pas sur une action, oui, on aurait pu peut-être faire le hold-up sur la dernière action, mais voilà, c'est surtout en première mi-temps que, je ne sais pas si on peut dire, on perd le match, mais on n'est pas dans ce qu'on doit être, et surtout ce qu'il faut être à l'extérieur si tu veux l'emporter. Cette dernière action, pour pas trop, on peut en parler un petit peu quand même, le but c'était d'avoir un 2, un 3. De mettre un panier, oui. Que ce soit à 2 ou à 3 points, mais mettre un panier, ça dépend de la situation, ça dépend des comment il... Oui, c'était pas forcément pour Timothée, c'était d'ailleurs plus pour Tobin, mais voilà, on n'était pas obligé de tirer à 3 points, c'était pas une obligation. Ouais. On voulait essayer d'avoir le meilleur tir possible, on n'a pas du tout eu de tir, entre guillemets. Donc voilà, après c'est une situation de fin de match, voilà, c'est toujours dur à travailler l'entraînement parce qu'il n'y a pas l'aspect émotif, l'aspect intensité, voilà, c'est comme ça. Finalement, vous diriez que la défaite est méritée ou plutôt Rouen, ou non, pas du tout. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Ouais, moi je pense que ça aurait pu aller dans les deux sens. Après, chacun voit à sa porte, quoi. Voilà. Mais non, moi je trouve qu'on a bien tenu malgré ce qu'on n'était pas très bon. Mm-hmm. On a toujours été dans le match, mais on était décroché en première mi-temps de 14, je crois. 12 ou 14, on est revenu. En deuxième mi-temps, on est toujours derrière, on n'est jamais très loin. On a ce petit coup de boost qui nous fait passer devant. Après, on a 2-3 situations mal gérées. En attaque, on veut se précipiter, c'est un petit peu dommage. Et après, ça se joue sur peu de choses à la fin. Voilà, un lancer franc loupé, voilà, une petite erreur défensive, qui met un gros shoot. Voilà, c'est le basket. Mais oui, évidemment que les joueurs sont déçus, c'est normal. On n'a pas trop parlé pour l'instant de défense. Il y a eu quelques petits oublis sur le jeu placé. Vous avez réussi à les mettre en parlant plus avec les pertes de balles, à leur mettre directement le rythme, un gros rythme. De toute façon, si tu perds le ballon ici dans cette salle-là, tu sais que tu as 2 points de l'autre côté ou 3 points. Donc ça, voilà, si tu perds des ballons, c'est impossible de gagner un match. Quand on perd 9 dans un premier carton, que tu laisses Rouen marquer 25 points, je crois, dans le premier carton, tu les mets en place. Voilà. Deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux, parce qu'on n'en perd que 5 ou 6, je crois, sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. C'est déjà plus abordable. Donc évidemment que si tu leur donnes déjà pas de munitions pour courir, c'est plus facile pour nous de défendre sur le mi-terrain. Mais après, oui, j'ai des jeunes joueurs, donc il y en a encore certains qui font encore beaucoup trop d'erreurs manifestes. Mais ils sont là pour apprendre, pour faire mieux la prochaine fois. Par rapport à Nanterre, c'est la deuxième mi-temps qui est meilleure. Mais l'état d'esprit est meilleur. Ouais. Mais bon, on joue des équipes soi-disant meilleures que nous. Hein, donc, pour rester humble, voilà, on n'était pas loin. Ça n'a pas marché, on remettra ça samedi prochain à Limoges.